et mer, certaines plantes de la mangrove possèdent des particularités étonnantes. Certaines stockent le sel dans leurs feuilles, qui tombent quand la concentration en sel devient trop élevée. En contrebas, dans la vase pauvre en oxygène, les racines poussent à la verticale, comme des tubas, pour capter l'oxygène. Par leur enchevêtrement, ces racines capturent des sédiments riches en nutriments, donnant ainsi naissance à l'un des écosystèmes fluviaux les plus féconds au monde. Malgré cela, les arbres de la mangrove sont généralement toxiques. Leurs feuilles sont par conséquent immangeables pour la plupart des herbivores. Mais pas pour les nasiques. Ils possèdent des glandes salivaires surdéveloppées qui produisent une copieuse quantité de salive. Cette salive abondante préserve l'équilibre acido-basique de leur estomac, ou plutôt de leurs estomacs, puisqu'ils en comptent quatre. Chaque panse, remplie d'une puissante bactérie digestive, travaille à la chaîne pour éliminer la toxicité des feuilles.